Allô? Je sais pas trop ce qui m'arrive, mais j'ai l'impression que j'ai un problème avec ma vie spirituelle. Je me sens lassée, je me sens fatiguée. J'ai plus envie de m'investir en fait. Je sens que je vais abandonner. C'est trop difficile pour moi. Veille sur ta vie, ma sœur, veille sur ta vie. C'est vrai, il y a la prière, mais la veille aussi. Une prière sans action, elle est presque nulle ici. La chair est faible, mais l'esprit, lui, il est bien disposé. Nourris l'esprit afin que tentation soit repoussée. Veille sur ce que tu regardes, sur ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu dis, ce que tu ressens. Accrois tes qualités et travaille sur tes défauts. Tu n'es pas quelqu'un d'en bas, mais quelqu'un d'en haut. Avant le physique, la chose se fait dans le spirituel. Tu te feras dévorer si tu vis dans le charnel. Médite la Bible et pose-toi les bonnes questions. Jésus est bien réel, non, il n'est pas une religion. Veille sur ta vie. Veille sur ta vie. Je comprends ce que tu dis, je comprends. Veille sur ta vie. Mais c'est compliqué. À chaque fois, je tombe et je retombe. Je ne sais plus quoi faire. Ne te rapproche pas trop de la frontière. Tu sais bien tout ce qui peut t'en mener en enfer. On enterre tout ce qui est du vieil homme en nous, afin de devenir tel que Christ, lui, il attend de nous. Veille sur ton salut, que personne ne le trouble. Et si c'est dur, appelle le Saint-Esprit à la rescousse. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne l'as pas dans ta vie, tu connais déjà la suite. Et le mal ne fait pas de bien, mais le bien fait du bien, même quand il fait mal, retiens le bien.